côté de la côte, il y en a à Bayonne, il y en a à Souston, il y a à Mimizan. Et c'est vrai que dans le coin là, dans le coin de Mont-de-Marsan, il n'y a pas trop de clubs d'aviron. Il y a plus des clubs de canoë kayak ou. Et oui, je connais l'aviron bayonnais. Viens. Ah bah ça dépend, hein, il faut aimer. Je sais pas, tu fais quoi comme sport toi? Tu fais du foot à neuf? Bah voilà, bah moi j'aime bien l'aviron aussi. Oui. Combien de kilomètres j'ai parcouru? Oh, j'en ai parcouru plein. Quand je m'entraînais pour les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, je m'entraînais deux fois par jour, d'accord? Je m'entraînais 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, et ça toute l'année, tout le temps, d'accord? Donc c'était comme un travail à plein temps, sauf que la différence c'est que l'aviron c'est pas un sport professionnel, c'est un sport amateur, donc on fait ça pour le plaisir, voilà. Oui. Ah non, j'ai pas fait Pékin Express. Je suis allé